Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COGEP, a été investi ce dimanche 12 mai, candidat de son parti pour le scrutin présidentiel d'octobre 2025. Cette cérémonie d'investiture, qui a eu pour cadre la Fondation Félix Houphouët-Boigny, a vu l'affluence dans la capitale politique de nombreux militants et sympathisants du parti de l'Est allié de Laurent Gbagbo, venu des quatre coins de la Côte d'Ivoire. Face à la mobilisation de ses partisans venus solliciter sa candidature à la présidentielle de 2025, l'ancien leader des Jeunes Patriotes rassure. Quand je suis arrivé à la Côte d'Ivoire, j'ai dit, il est venu. Beaucoup ont regardé les aiguilles de la montre. Non. Parce que moi, je ne parlais pas du top chaos, du top commencement. Je ne parlais pas du top commencement. Je ne parlais pas de la montre. Je parlais de la kairos. C'est-à-dire le moment pour agir. Mais surtout le bon moment pour agir. Je sais que dans la tête de chacun, des questions se posent. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'université? Le congrès du projet l'a déjà dit. 2025 ne se passera pas sans moi. Par ailleurs, prévient Charles Blé Goudé, moi président, je vais supprimer les institutions inutiles.